Salut les sportifs, aujourd'hui une séance spéciale enfants. Bien sûr les parents, vous pouvez faire la séance avec vos enfants. Donc on va commencer par un petit échauffement. Donc on a fait talons-fesses, montée de genoux. On va passer sur les pas chassés. On pense à garder le ventre bien serré. On change de côté. On va faire devant, derrière, en chassé. L'autre côté. L'échauffement dure à peu près 2 minutes. On peut faire plusieurs fois les exercices, hein, bien sûr. Petit cloche-pied, jambe droite. Jambe gauche. On essaie de ne pas reposer le pied, les enfants. On va faire quelques sauts de lapin, des grands sauts de lapin. On va courir en avant, courir en arrière. Ça permet de bien échauffer tous les muscles. Et les enfants, c'est bien, on lâche rien. Alors, on va faire des petits sauts gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Là, on va partir sur des petites montées de genoux. Voilà. On monte genoux et on fait des petits sauts. Toujours pour l'échauffement. On va faire des petites fentes. On va penser à bien rentrer le ventre. On descend bien le genou arrière vers le sol. Voilà, super. Alors maintenant, on va faire la marche des animaux. Donc assez ludique et on va bien travailler. On commence par la marche des canards. Voilà, donc le dos bien droit. Et on avance en marche des canards. On essaye bien sûr de ne pas poser les mains, les enfants. Très bien, on fait des petits pas, on va pas trop vite pour pas tomber. Alors maintenant, le lapin, les petits sauts de lapin. On pense à bien descendre les fesses. Alors bien sûr, c'est un circuit qu'on peut faire plusieurs fois, hein. Super. Le prochain, c'est le serpent. Donc on va poser le genou au sol en passant la jambe sur le côté. C'est pas facile cet exercice. Voilà, donc la jambe en fait, ça fait le mouvement du serpent. Très bien, on change de côté, donc on refait le deuxième côté. Super. On est parti maintenant pour la marche du crabe. Donc on se met sur les fesses et on avance avec les pieds et les mains sans poser les fesses par terre. Donc plus on monte les fesses, plus c'est difficile. Bien sûr, c'est une marche qu'on peut faire aussi de côté. Moi, je la fais assez simple pour les enfants. Super, les enfants, on ne pose pas les fesses, hein. Très bien. On y va sur la marche du cheval. Donc on va tendre une jambe devant. Voilà, on va se mettre les fesses à peu près au niveau des genoux et on tend à chaque fois une jambe devant et on avance. Très bien. Allez, jusqu'au bout, on ne relâche pas. On tend bien la jambe. On y va pour la marche du tigre. Donc on se met sur les mains et sur les pieds et on avance doucement comme un tigre. Tous ces exercices, on les fait bien sûr en serrant le ventre. Vous allez voir si vous faites la séance avec vos enfants, les parents, ça fait quand même bien travailler. Allez, jusqu'au bout. Très très bien. On y va pour la grenouille ou le crapaud. Voilà. Donc on avance les mains et on ramène les pieds au niveau des mains avec les genoux ouverts sur les côtés. Voilà. Très très bien. Là on fait la marche du gorille, donc le gorille qui se déplace sur le côté. Voilà. On décale les mains et les pieds, il rattrape. Alors, le prochain, il n'est pas facile, c'est le crocodile.
Donc on avance un bras et on fait une petite pompe à chaque fois. On avance un bras avec la jambe opposée. Donc c'est trop dur, bien sûr, on ne descend pas jusqu'en bas. On essaie juste d'avancer jambes et bras opposés. Donc jambe gauche, main droite et main droite, jambe gauche. Et le dernier, spécialement pour César et Victoire. Donc le scorpion, il l'adore celui-là. Donc on part sur les mains, on essaie de faire la bascule vers l'arrière pour se retrouver voilà, dans cette position. Et on revient. Voilà, donc petite séance assez ludique pour les enfants. Donc la marche des animaux avec un petit échauffement avant, bien sûr, vous pouvez faire la séance plusieurs fois. Moi je vous dis amusez-vous bien et à très bientôt.